Eh bien, bonjour Canal Gym. Donc aujourd'hui, on va faire une petite séance qui m'a été demandée en commentaire. Une séance uniquement fessiers. On va faire 5 exercices, 50 secondes de travail, 5 secondes de récup, 4 tours. Donc j'espère que cette séance, elle va te plaire, d'accord ? Et on se rejoint juste après l'introduction. Allez, je lance le chronomètre. On est parti pour 18 minutes de travail fessiers. Hop, premier exercice, en position de plage, hop, ramène la jambe, pointe de pied vers le bas, on va faire 50 secondes de levée et descente de jambe, tout simplement, hop, voilà, pointe de pied vers le bas, t'aspires bien le nombril, hop, voilà, pense que les deux genoux doivent être alignés, et un angle de 90 degrés entre la cuisse et le but, voilà. En montant, tu inspires en descendant. Ok, si cet exercice avec la jambe tendue est beaucoup trop dur, tu peux plier la jambe et monter comme ceci. D'accord ? C'est-à-dire avec la jambe pliée. Voilà, tu choisis. Donc la jambe tendue, c'est plus compliqué. La jambe tendue pliée, c'est un petit peu plus facile. Hop. Allez, encore. Voilà. Ok, là maintenant on va vite changer, vite vite, hein. Hop là, pas de pause, hein. Ok, hop, pas besoin vu qu'on travaille une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche, d'accord, la pause n'est pas obligatoire, on peut dire la pause ne s'impose pas, voilà encore, pointe de pied vers le bas, serre les abdominaux, hop, puis bien stable au niveau de la jambe du sol. Tu dois peut-être avoir un petit peu la douleur qui radie, hein, qui va de la fesse d'en bas vers la fesse d'en haut. C'est normal. Après, ne t'inquiète pas, on se lève pour les fentes latérales. Au niveau du temps, il nous reste 15 secondes à peu près. Hop. Voilà, ça c'est bien. Hop là. Ok, 5 secondes pour se lever. Hop, fente latérale, droite ou gauche, hein. Donc tu descends et tu remontes. Ouvre le genou légèrement vers l'extérieur. Pousse les fesses vers l'arrière. Hop. Et quand tu remontes, tu pousses avec le talon. On travaille la cuisse et le fessier. Abdominaux, garde le buste droit. Abdominaux serrés, bien sûr. Hop. Hop. Voilà, encore. Hop. Pousse bien avec le talon. Lâche les épaules. Secondes. Tu refermes un peu les pieds, on ouvre de l'autre côté. Et on est reparti. Hop là. Gardez bien votre buste droit, serrez vos abdominaux, vous servez le talon. Ok, squat. Les pieds un peu plus larges que le bassin, pointe de pied. À l'extérieur. Ah, et tu puis tu pousses. Répartis bien le poids du corps au milieu. Hop. Serre tes abdominaux. Pousse tes fesses vers l'arrière. Oppose tes mains aux fesses. Voilà, c'est bon. Encore. Voilà, de profil, ça va donner ça. Hein. Comme ça, le profil. Yes. Encore. Voilà, ça, c'est bien. On plie, on pousse avec les talons. On se grandit par le sommet du crâne.
Ok, au sol. Deuxième tour. Hop. Et on est parti. Travail. Hop. Envoyez le fessier. Voilà. Travaillez le creux de la fesse. Voilà, ça c'est bien. Ah, rien. Souviens-toi, si c'est un petit peu trop dur, hop, tu montes avec le genou. Si c'est trop facile ces exercices, parce que ça peut être trop facile peut-être, dans ces cas-là, rajoute un poids aux jambes, d'accord. Au niveau des poids, ça s'achète à Decathlon, ou même à Intersport, ou à GoSport, voire peut-être à Fitness Boutique, d'accord. Dans ces trois enseignes de sport, tu dois arriver à trouver des poids lestés sur les chevilles. Tu peux aussi, si tu veux, mettre un élastique au niveau des cuisses, et ça va être beaucoup plus dur. Pareil, les élastiques, tu peux les acheter dans les grandes surfaces de sport. Encore, voilà. Pointe de pied vers le bas. Ouais, bien, bien. Ok, on se lève. Hop. Fente latérale. On plie, on pousse. Donc c'est souvent des exercices comme ça, sur le moment, on va se dire, ouais bon, toujours pareil, on en repart d'ici deux jours, d'accord, j'attends tes commentaires dans deux jours. Je veux dire, tous les jours, ça passe quelques petites courbatures qui sont apparues. Gardez toujours le buste droit et pas serrer les abdominaux et à pousser vos fesses vers l'arrière. Allez, on descend et on remonte. Respire bien, on va la colonne vertébrale. Restez grand. Voilà, on pousse bien avec la jambe de devant. On travaille les adducteurs, les fessiers et les cuisses. Ok. C'est vos pieds. Allez, on est parti. Squat complet. Hop. Levez la tête. Poussez les fesses vers l'arrière. Poussez bien avec les talons quand vous remontez. Au niveau des fesses, vous les poussez vers l'arrière. Hop, comme ceci. Cuisse quasiment parallèle au sol. Hein. N'avancez pas vos genoux. Hein. Si vous avancez vos genoux, vous repoussez les fesses. Si vous n'y arrivez pas, peut-être prenez un bâton, vous le placez devant pour vous maintenir et vous poussez. Gardez votre buste droit, levez votre menton. Ok. Troisième tour. Fessier. Allez, on descend. Les deux genoux sont alignés, les épaules sont basses.
Encore. Oh, je sais pas toi, mais ça commence à piquer. Allez, encore. Oh, je change de salle. Et c'est reparti. Vers le bas, abdominaux serrés toujours. Monte avec le talon, descend avec la pointe de pied. Pointe de pied légèrement sur l'avant. Hein. C'est pas comme ceci. Hein. Le pied, le plat du pied n'est pas parallèle. Hein. C'est la pointe de pied légèrement sur l'avant. Tu devrais sentir le travail. Si c'est trop dur, je te rappelle, tu peux venir juste monter avec le genou. Ok. On est reparti pour la suite. Fente latérale. Replacez-vous. Et c'est parti. On descend, on remonte. Buste droit, abdominaux serrés, on pousse avec les talons pour remonter. Change, hop, et là, c'est reparti. Ah, dernier retour. Troisième tour. Garde une technique propre. Tu sais qu'à partir du troisième tour, souvent, hop, on va baisser en qualité technique, d'accord, dû à la fatigue. Donc, essaye de te reconcentrer. Techniquement, tu sois bien placé. Est-ce que tu as les abdominaux serrés, les épaules basses? Est-ce que tu pousses bien avec le talon? Est-ce que tu sens le travail cuisse, fessier quand tu remontes? Pose-toi ces questions. Hop, et essaie de corriger. Je suis pas là pour regarder. Mais je vois que des fois, et je sais que des fois, tu vas perdre la technique. Allez. Ok. Squat pulse ou squat normaux comme tu veux. Allez, moi comme c'est le dernier tour, on va changer un petit peu, on va faire du pulse. Hop, l'avant-dernier tour, pardon. Hop, comme ceci. Regardez, plus de travail sur les cuisses. Hop, hop, serre les abdominaux. Place le poids sur l'arrière et sur le talon. Lève la tête. Voilà. Pulse, pulse. Ça ne sert à pas. Ce que tu veux faire, c'est revenir sur des squats normaux. 3-4 et après tu peux faire quelques petites pulses. Hop, par exemple une dizaine de pulses. Hop, pousse avec les abdominaux, pousse les fesses en arrière, poids sur les talons. Et quand tu as fait ta dizaine de pulses, hop, tu reviens sur un squat complet comme tu veux. Hein. Ça, c'est toi qui choisis. Le but c'est de travailler. Hein. Hop, allez, dernier tour, on se replace. Toujours la pointe de pied vers le bas, toujours les abdominaux serrés, les épaules basses. Allez. Yes. On change.
Et c'est parti. Hop. Ok. Allez, fin de la terre à la droite, fin de la terre à la gauche. Et c'est parti. Toujours la pointe de pied vers l'extérieur. Allez, encore. Aspire bien le nombril vers la colonne vertébrale, reste grand. Pousse avec le talon. Et c'est reparti. Oh. Poussez bien avec le talon. Garde le buste droit, serre tes abdominaux. Les squats, 50 secondes, ah, on est parti. Les derniers 50 secondes. Poussez bien avec les talons, serrez vos abdominaux. Eh bien, Canal Gym, j'espère que cette petite séance t'a plu, uniquement fessier. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux d'autres séances avec des styles différents. J'essaierai de voir si je peux faire quelque chose et si je peux faire ces séances que tu me demandes. Voilà, donc sur ce, je te fais aussi, comme d'habitude, un très gros bisou à Sceptisé. J'espère que ça va. On reste unis, on reste fort. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo chez Canal Gym. Bye bye.